La société Iron Côte d'Ivoire, entreprise exerçant dans l'exploitation du poisson thon, a eu depuis juillet dernier un nouveau patron. Son nom, Sergio Tomazini. Nanti d'une riche expérience favorisée par le MBA en International Business Management, Sergio Tomazini veut relever les défis du secteur de la manufacture de produits dérivés du poisson. Pour ce faire, il ambitionne, avec la complicité des hautes instances dirigeantes de Iron Italy, valoriser toute la chaîne des valeurs de ce secteur, rendre Iron compétitif sur le marché local et international avec un rapport qualité-prix imbattable. Il compte placer son capital humain au cœur de sa stratégie tout en trouvant des outils novateurs pour non seulement apporter sûreté et sécurité au personnel. Iron, je pense, a tant donné à la Côte d'Ivoire et reste la première entreprise italienne à capitaux privés présents dans le pays. Et j'ai l'honneur de représenter Iron et cet pays. Et aujourd'hui, je suis plus ivoirien qu'italien. Après avoir clairement annoncé sa vision, l'homme qui veut asseoir son leadership par un management de qualité a cédé place pour une visite guidée. La réception des poissons, la chambre froide, la boucherie, la salle de cuisson, d'emboîtage, de stérilisation, d'étiquetage et de colissage des boîtes de conserve de poisson thon ou de sardines ont été visitées. Somme toute, des lignes de production entièrement équipées de technologies de dernière génération. Sans se tromper, on peut dire que c'est ce qui a valu à Iron Côte d'Ivoire, entre autres, les accréditations et certifications ISO 9001-2008, IFS, BRC et l'accréditation ISO 17025, mais surtout l'agrément sanitaire 120 PP reconnu par les autorités vétérinaires de l'Union européenne.